parce que ça n'est même pas une année au bal avec tu kokufa tant on se le bat à confiter na ba 13 heures sans monsieur panzani qui a confité à sécu c'est que aux autres appuyer hypothèse on a qu'à confiter à sécu na Pour permettre Bisso, tout bandana nous présenter par condoléances au nom y a équipe Mobimba Congo Dialogue.com. On est dirigé na la grande dame Francine Gemme de la Belgique et puis une équipe Mobimba na mon ingénieur fils na mon Michel-Ange na mon Aminata et puis bien nous c'est Rick Bukula Batonyo c'est Niva Kinshasa Angola Toms. Et puis, je vais profiter de l'occasion parce que comme il y a une minute, parce que je lui ai dit que c'est le moment concernant Aliwa et Maman Langi. Thierry Mboli, je vais présenter ma condoléance à Libota et à couple Olangi. Donc, je profite aussi à présenter ma condoléance à nous. Ça m'a pas si beau permettre à Ngongo et à déranger parce que Congo RDC, tu peux perdre. Maman Monene, femme brillante, femme influence, femme y a distinction, femme y a excellente. Jusqu'à preuve du contraire, moi tout beau y a un zate. Vraiment, maman langue a tout tikabiso. Vraiment, et comme elle est attendue comme quoi, au niveau suisse, Didier Kunga. Alors bien de Koboloa, na mon ovandi qui m'a ponani, na vandi qui m'a parce que c'est choquant. C'est choquant parce que tout ça l'analyse est belé, ben émission est belé. Tant au papa Joseph Folang à Koufaki et depuis le mois d'octobre, année passée, bon, ils ont un problème pour corner Kundame qui est à Congo, qui est à Congo, qui est finalement corner qui est à Congo. Mais curieusement, quelques jours après, moi, c'est dans le Tukolanda. Alors, attends que bateau, et ça lui passe. Ça lui passe parce que tu peux perdre. Mon corps, il y a bateau, Oyo. Le lotant aux autres, le combat spirituel, nous voyons ce couple-là ici, Olangi. Le couple Olangi, jusqu'à preuve du contraire. Bon, Thierry Mboli, et ça m'a passé. Maman Francine Nguembe, ça m'a passé. Ceux qui sont dans ma petite écran à Boloa, pour nous présenter d'abord la zone sous ma condoléance. Et puis, deuxièmement, tout le monde est un peu analysé, parce que depuis Maman Olangi a Koufi, de comment comme Elinga, à salut, moi, analyse à l'objet. Maman Langa a couffé à l'âge de 66 ans. A couffé le 6 juin. Et puis, dans le 6e mois, c'est que le système qui a analyse philosophique, c'est Gaza réellement. Mazala qui pense à Moutuya, serviteur, il y a diable. Parce que ça, il y a chiffre 6, 6, 6 à 66. Et ça, chiffre, il y a diable. Bon. Toujours, mais un peu analyser les sources, toujours, mais tout, maman Langa a couffé. Deux, trois jours après, Liwa Yamobali, enterrement Liwa Yamobali. Bande konangai, bobi sanganam. Naibite, c'est nulle part. Namokili, couple mort, bazaki ensemble pendant beaucoup d'années. Moi, Mobali Akoufi, ben, partagea ben intimité à Makasi. Naibite, Azali, c'est la seule femme ou le seul mari qu'il avait depuis tout ce temps. Mariage na bango baboti ba na ebele na ba koko ebele na ebite ceux qui maman ni na ko supporter choc wana ce qui est vrai c'est que za na ba maman ebele jusqu'au jour bazo vivre na bango mais to ebite intimité niño yo ils ont 42 ans 42 ans à mariage n'est-ce pas intimité niño makasi bazala ki nango lelo du coup raison biso moto ba ki papa Joseph akufaki nango je suis certain convaincu que maman n'a pas quoi supporter en moto. Là, je parle en tant que Ubuntu, en tant qu'être humain, en tant que Moto, en tant que Makila, en tant que sentiment, en tant qu'émotion. Ce qui est gamboyé, choc, on a peut-être. Et je suis certain que maman n'a pas quoi en moto. Comme preuve, jour enterrement, maman n'était pas là. Azala qui en moto. Donc, choc, il est quand même à Kassi. Nous avons eu Mobali n'a évanoui pendant plus de 5 mois. À quoi qu'on supporter en moto. Alors, choc, on est tellement à Kassi. Wana nazo ba tant que mutu choc ezale tellement grave que et même qui ça ça la stroke benga ba AVC a piqué ba crise wana yo pende kozola nanga je crois que moto lingaka mingi sokati ki d'une manière un peu brusque ou na maladie ebele tout temps mulayi je crois qu'on supporter choc wana te tozana ba témoignage ben Afrique du Sud awa ba to bozola na biso
bande que belé baza ba information bande ko na ba kufa na niveau même ya pays tant qu'a kufi ou directement piqué Christ à qui l'hôpital a kufi a forcerie moto ba c'est plus de 40 ans na katia mariage attend que moto bande ko na est-ce que maman langa ko ko supporter choc wana est-ce que ko supportant je crois ka ko ka ki ata ko supportant moté et ben information ba ici biso qui a plusieurs reprises bande ko piqué Christ même pendant que ba cérémonie a bobsek et salama qui en Afrique du Sud awa a ko ka kitaika makasi. Et étant encore quitté dans le Congo, comme preuve, à quoi qui peut assister même pas l'intérêt. Yango et Mémi Liwa, et Mémi et Sali que maman a l'angle Koufa. Dans le combo, il y a un Congo dialogue, il y a un présenté, il y a un condoléance spécialement dans la famille biologique. Je crois et je suis certain, peut-être, que le biologique est un peu plus grand. Il y a un grande soeur, ma petite soeur, il y a un aîné dans Bango Alain. Dans mon ma famille nous surtout avec na bon obsec en niveau Afrique du Sud. Je vois toute la famille puis ba koko naye pour ma condoléance na libota mobimba. Ba senere bi malke no akufa ki akufi na 23h de 13h du matin à Sekwi. Ba ta si ferme ici à 17h mur ba se peli. Tout ça sont des scénarios. Ce qui est important que maman Olangi akufi. Nous avons perdu quelqu'un. Cette famille-là de Lang, ils ont perdu une maman. Ils ont perdu une grand-mère. Ils ont perdu une éducatrice. Là, je vois même la famille spirituelle. Bah, perdre éducatrice. Quel que soit le genre d'enseignement, bah, tu appelles ça qui? Bah, perdre Moutou. N'est-ce pas? Alors, Bandeko, bah, ça là, bah, audio. Bandeko, Nangaï. Ceux qui sont là, qui maman, na yo. Ils sont là, qui coco, na yo. Je ne peux pas poster sur Facebook, je ne peux pas s'attendre à ma souris, à mes condoléances. Mais ce qui nous étonne, nous les Africains, nous sommes bien en tant qu'analystes, en tant qu'Africains. Tout ça, c'est audio. Non, à Koufaki, à Sekwi, tant à Sekwa Kiwana, à Kati, à Kunda Koufaki, pendant le temps à Koufaki, à Koutani na Yesu, tant à Koutani na Yesu, Yesu, Yébi Seke na Zonga, Yébi sa pouvoir en place, à machine à voûte, à Balandangote. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre. Liwa to résurrection à Moutou, na machine à vote. Machine à voter, c'est machine à voter. Donc, Liwa et Moutou, tu connais même que c'est un joke, une connerie, une blague. Quand on a tous à la caméra, on peut battre. Je répète, je parle en tant qu'Africain, en tant que quelqu'un qui a le sens humain, sur perdre Moutou. Peut-être qu'on a coupé la tête, peut-être qu'on a perdu ma mère. Douleur Oyo, Alain Zoyoka, douleur Oyo, Aska Zoyoka. Douleur Oyo, bana nyo si bazoyo kana ba koko na ye. Peut-être yon an yon ki an wote, parce que nan yon komel yo te. Alors, ce komel yo, je ne sais pas ce que ou ban yon ni mabato, ba sala ba audio, pona, maman na yon to koko na yon moko boye. Oh, lelo, peut-être, nan zela na ye, ba te bele pe famille ye bana. Sori ya moutou, to sori ya mamo langi. Bande ko bozo lan nan ba telespectateur, bozo la branche na Congo Dialogue. Jugement na yon malamu, c'est Dieu qui va le juger. Soa simba ki ba kisi, ba sale ki ba pate. So ba signe ki ba pacte to ba impact to ba sale ki ba changer na makila na mosu na mobile to ba yeba na lilo oyo c'est Dieu seul qui connaît nzambe mokayebi mais nga posa pa passe na nga na motemeza liwa ya mtu na même pas ba kundie na nkutute mais to sale liango ba connerie n'est-ce pas to sale ngo ba connerie bande ko na nga to porter famille o na motema parce que ba perdre mtu sérieusement dans la ni vidéo moko. Même certains hommes de Dieu, bah comme ils osaient même qu'on maudire, na maudire yo, à sa koufi, maman là à sa koufi, ni à sa bazana mort, à sa na frigo, on maudire yo. Et puis qui t'a donné ce mandat là de maudire? Comment tu peux maudire quelqu'un qui est mort? Papa Oulani. Jamais. Il faut qu'on s'engage. Il a servi le Seigneur, l'homme de Dieu. Non, lui ne pouvait pas servir le Seigneur. Lui n'a servi que Satan, le vrai Satan. Mais il y a eu des témoignages terribles qui se passent dans le ministère du combat spirituel. Rituel. Et le diable. Quel combat spirituel? Moutou Azali, Libanda, il y a combat spirituel. Combat spirituel, Azali, Oyopola, Alobaki. Combattez le bon combat de la foi, pour garder la foi, pour la parole. Azali, quand il a dit, Lobate, Ngana Tunaki, Moutou Namokona, Banda Kona Bangwana, Naozone. Là, on a Kinshasa. Parce qu'il y a tout le monde qui est d'abord à la télévision, a échoué. Après, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Il y a une radio pour toi, je sais. Il y a un témoignage que moi, si je suis là, c'est une expérience dans Zambé. Il y a un rendez-vous.
si vous avez dit, 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 si donc moi sinda zalaki mobali mobali zalaki moi si à moi sina yi comme spirituel bazaki na ya ya bango bazaki nde ko détruire bat ko détruire mabota et ça Satan mais quelque part la Bible Satan linga kanibal la terre bango musala na bango zaki ya ko s'attaquer na yabat donc bango ko lo atie polygamie bango babale bazal ko ko combattre yango donc bazal contre le Seigneur que la mama be bazal qui contre le Seigneur donc bango ba kai ko bomali bala ya Israël to ka ko sa Bible ndingi ko bomali bala ya David bango pa balé bala que la ma vraiment ma be parce que les amis mais il n'est pas encore enterré ceux qui ba bengi pasteur ka sa semble les ponza mandi ma ya ko tena ko mais je le maudis maintenant je le maudis ce monsieur là maintenant. Je le maudis au nom du Seigneur pour avoir troublé les familles des Congolais, les familles des gens de partout où ils sont passés. Qu'ils soient tous les deux véritablement et sérieusement maudits. Ça, c'est la conception du Seigneur. Très bien. Comment tu peux maudire la personne qui est morte? Hein? Même si, entre guillemets, selon ses enseignements, Panza, Bafam, Panza qui famille na yo, et puis soutenir l'enseignement, na yo, t'as tel mais la kango. Yo pasteur Ozola nangoye bio mie bibien. Ziom tozwa manda comme on dire batou. Ce que on a modi sagayo. Position vune dans on ngeni qui t'a modi. Hmm? Et tu sais combien déjà t'es modi aussi par rapport à position Marita Lozana. Hmm? Je m'excuse. On modi la personne qui est na kata morgue. C'est je n'arrive pas à comprendre nous les Africains, nous les Noirs et entre guillemets le chrétien. N'est-ce pas? On ne peut pas maudire quelqu'un qui est déjà à Koufinaï. Son corps est parti. Son âme est partie. Maintenant, son esprit n'a pas de âme. Maintenant, qu'on juge. Maintenant, toi, tu maudis quoi? Thierry Mboli. Je vais vous dire Nini. Koro et ce Kundami déjà, ils ont un cas de mort. Ça m'étonne. On peut faire des audios. On peut faire des conneries sur la mort de Maman Langui. Mais ce qui est drôle, ce qui est choquant, ce qui est décédé, c'est un être humain. Une africaine, même si, selon ce que nous disons, que ces enseignements a divisé beaucoup de familles, a partagé, a bomi bamba bot ma botte est belle, a bimi si ba chege le londe ba bazo loba, à cause d'un cinéma combat spirituel ba chege ba bimi le lo, mais la personne là qui est morte, c'est un être humain. Koufelande bo yoga, ce que ba bacho la fa papa na auto maman na nongo yoka. Est-ce que tu vas accepter ça? Ça en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Ce qui est vrai, c'est que jugement, ils ont abusé. Mais il est écrit dans la parole que l'homme spirituel juge de tout. N'est-ce pas? Dieu nous a donné l'esprit à discernement. Si aujourd'hui, les enseignements que papa et maman Lang ils ont amenés dans le monde ecclésiastique a détruit beaucoup de gens. Mais moi, je pense qu'on a des intellectuels, Thierry. N'est-ce pas? Nous avons des intellectuels, nous avons des docteurs dans le niveau combat spirituel. Est-ce qu'ils n'ont pas cet esprit-là de juger? Mutumota forcera muta que l'enseignement maman langue. Il y a personne qui vous force. D'autant au point que n'a pas enseignement wana. Si tu as l'esprit de Dieu, autant yango par rapport à la parole. Est-ce que ça c'est Marie? Est-ce que ça bon? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Ce monde qui a bon monté. Tu es libre de sortir. Ce va plus sur la condition que les abos ceux qui mentionnent la kufi tombent dans la kufi. C'est comme on nous apprend que kuna na combat spirituel ceux qui quelqu'un dit que ceux qui mobile na kufi c'est que au long ils combattent. Par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est conforme? Si c'est conforme, tu es libre de partir. Vous êtes libre. Hein? On ne peut pas seulement si ça m'aligne dans l'enseignement, parce que. N'est-ce pas? Là, maintenant, j'analyse, attends que, Batoyo, nous sommes pas si mal, pas si bon mot. Si les enseignements là sont faux, les enseignements que les couples langues ont amené dans mon cul, et vous êtes libre de sortir. Et si tu n'es pas aveuglé, tu sors au balancier par rapport à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Au lieu seulement de critiquer, de dire non, non, non. Enseignement, on a. Et pas de Mabota. N'a pas de Zala Kikuna. Il y a de ceux-là qui sont encore là-bas. Bazoyo Kape Babilo Koana. Mais, Bazana Bangwana.
Et chacun est libre de choisir. Donc, tout ça, mon qui est quand on a un combat spirituel, je me sens à l'aise. Non, on a une révélation. Yom, tu as une carte de révélation. Approchons ces gens-là. Parlez par rapport à la parole de Dieu. Quand on parle de combat spirituel, c'est quoi le combat spirituel? N'est-ce pas? Quelles sont les armes de combat spirituel? Aux étudiants, aux serins éphésiens. N'est-ce pas? Et si tu trouves que non, tu étais là, tu mangeais ces enseignements-là. L'osu révélation bimi, comment condamner? Dans quel sens? Est-ce que tu as déjà approché ces gens-là? Est-ce que ce poussin le bossabatona? Il y a de ceux-là même qui ne sont même pas là-bas. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il y a ministère de combat spirituel, mais ils jugent. Bazo critiquer, bazo condamner. Poussana batouana. Nous, nous avons ce privilège à repousser na batakoma. To sola na bi sona bango. To zoara puis to débataka. On ne discute pas. To discutera et tu vas partager. Ndeko. Tala o eza boué boué boué. Likamba ba 40 jours, ba 30 jours, ba 21 jours, eza boué boué boué. Est-ce qu'il pose la solution? Il faut qu'à ma jeune, s'il y a un problème, que moi, on a un milieu mabé, il faut seulement que benganaye. On balance tout ça. Ceux qui sont aveuglés, ce sont des fanatiques qui sont ignorants, ils s'en portent à ces enseignements. Mais ce qui nous cœur, ce qui me cœur aujourd'hui, la disparition de Maman Olangi, les gens font cela des conneries. Bande Konanga, tous en amont, mais à beaucoup Ubuntu, ce qu'on appelle ici en Afrique, ici, the spirit of Ubuntu, esprit à bateau, monte soit à Kufito compatir naie. Et ce qui encore m'étonne aussi, bah critique au nions toi yo, Emboli Nanga, maman Francine, bah critique au nions toi non, ça l'a monté peut-être. Quand Papa Lang était en vie, quand Maman Lang était en vie, il y a de ceux-là qui, bien sûr, peut-être dans les coulisses, mais le long mutino ça joue d'assister à télé mais bossa micro. Allô bah, baza bando, 666. Hey, 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 apandi ma balle. Hey, gougou, tout, youdou, tout, 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 hey, hey. C'est bien bon. Chacun est libre d'exprimer ses opinions. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais le vrai problème, quand tu dis ça, est-ce que tu compares ta vie? Aujourd'hui, la mort a frappé Maman Langui. Et si demain la mort t'est frappée, frappe à la porte de ta vie, frappe à la porte de ta famille, que seras-tu? Où seras-tu? Ça, c'est une grande question qu'on doit se poser maintenant, en tant que des enfants de Dieu. Si aujourd'hui la mort t'est frappée, es-tu prêt? La Bible déclare qu'il est réservé aux morts de mourir une seule fois. Après, vient quoi? Le jugement. Et la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur, Christ a resté de mort, la Bible déclare que tu es sauvé. C'est ce que Jésus, c'est celle de Jésus qui a remporté la victoire sur la mort. Yenda longa lui abi so peso ko ndimeli yo peso ko ndimeli okozana bon moi. Le lo maman langa ke yo so ki lui est comme le poisson est à la wak. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Si aujourd'hui la mort te frappe, où seras-tu? Et où passeras-tu ton éternité? Ça c'est une grande question. Moi je crois que la mort de maman langi ba téléspectateurs to comprendre le kango et ça interpellation. Et puis ils sont de la trompette que quelque chose se prépare dans notre pays. Quelque chose se prépare aussi parmi les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Bino ba bozo mema ba enseignement mo ke roni bo de viagabato. Ba voyage astral, ba nanya bo ba multiplication ba bon ko bima na ba poche. Ba bloko na tout ça. Jésus avait bien dit. Suka mutezali, chacun rendra compte de son chacun rendra compte de son comportement. Yanga bino Joseph Bolo à l'international. Ça c'est une réflexion et je vous promets, je vais recevoir aussi certains hommes de Dieu, des analystes, des médias, ma personnalité, tout le bel assur Maman Olangi. Vraiment, encore une fois, je présente mes condoléances à toute la famille Olangi, la famille biologique, la famille spirituelle. Je présente toute la famille aussi éloignée, élargie. Vraiment, Nzamba Bonzamite, Mayabano, Batikana, Bakoko, Batikale. Je parle bien en tant qu'Africain. Je parle bien en tant que Mouto, Bauto perdre. Je suis en critique de Yoyou. Après tout bon 666, ok, a même mis tout, a pendu ma botte et après elle est partie et après et après maintenant toi, qu'est-ce que toi tu fais de l'autre côté? Pour que je termine,
Ces couples, ils ont impacté, ils ont fait l'histoire, ils ont utilisé le potentiel que Dieu les avait donné. Quelquefois, ils ont impacté le monde. From nowhere, ils ont impacté mon kili, ils ont un potentiel, ils ont planté l'église partout. Ils ont un talent, ils ont un potentiel, ils ont un impacté. Et puis, ils ont un tiki bilembo. Tiki bilembo, ce qu'on a entendu, tika nini. Et l'on peut nous dire, parce que les gens vont toujours critiquer, les gens vont toujours parler. Audio et salam et salam jusqu'à aujourd'hui. Non, on a koufa qui a sec, puis tant koufa qui on a. Tant koufa qui a sec, quoi qui. Oh, machine à voter, ça n'a pas de conneries. Les numéros sont dans nos petits écrans. Tu veux aussi participer, vous êtes la bienvenue. Moi, c'est Joseph Bolo à l'international. Merci à toi, Maman Francine. Merci à toi, Emboli. Et merci à vous, téléspectateurs. Bon, sauf c'est plein que c'est bon, sauf c'est plein interrompu, ça peut être réflexionnable. Bye. Afrique du Sud, dans notre cas, on est dans le monde. Sauf que le réseau est réchauffé, il y a une actualité. Il y a une actualité qui est. Ouais, papa, il y a une disparition. Il y a papa et puis maman Olangi. Le monde en parle. On dit impacter le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons appelé ça à notre potentialité. Mais ils ont utilisé ça pour utiliser l'ango. Soit parce qu'ils n'ont pas de question mark. Net naï. Je suis limité pour définir que ils ont servi le diable. N'engue certains pasteurs, oui, parce que dans toute ta émission, pasteur en Ouganda, Congo, on a comme tout le temps raté. Tout bon abus sur la diffamation, sur la nini. Mais le pasteur là, a l'habitude, il y a comme on dit ça, tu trop on dirait. Donc il est naïf. Soit la voisin Nzambe. Il y a un adresse numéro combien? Nako ya Abraham ya côté pe me na kwa na bango na ebite. Et puis il y a un autre évangéliste à l'obaye qui a une révélation que Dieu veut frapper le Congo. Le Congo va perdre une femme. Ya munene mosali ya Nzambe. Bon, vous connaissez ba ta ba émission bo ebi. Parole de l'Éternel j'annonce. Nous sommes les 40e. Le 2. Nous sommes le 2 mai 2010. Je vous annonce maintenant pour avoir compromis à la parole de Dieu. Anéoyo, l'Éternel Dieu s'est décidé. Il a dit, Tozo perdre les sous une servante de Dieu puissante Namboko. Je reprends. Pour que les gens sachent que Dieu suscite une nouvelle génération. Tozo qu'on perdre sous mon sali Nzambe Moko ya munene ya Mboko. Zambo le bazon soyez pourquoi? Parce qu'il veut restaurer les valeurs spirituelles inversées. À vous qui nous suivez, il est temps. Ça c'est pas mon problème. Mais du moins à propos il y a décès, il y a papa et maman Olangi. Les gens en parlent, ça c'est vrai, c'est de l'actualité. Moi personnellement, dire que maman et papa Olangi ont servi le diable, je ne préfère pas le dire, je m'étais, parce que je n'ai pas de preuves pouvant soutenir mes propos. Mais du moins, parler du combat spirituel, parler de CIFMC au Congo, et ça qui le quoi la définition tu comment qui le quoi synonyme il y a Opanza Mabala il y a Batu n'engue banolo bamana Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ceux qui sont au Congo le savent, ceux qui étaient au Congo le savent, ceux qui sont en Europe et par biais dans le monde, ceux qui sont connectés avec le Congo le savent aussi. Et aussi c'est le même ministère Batubane Kolobakeur Isaac Obengani Sakabana na Bakati il y a Banaku il y a parents là-bas. Mais c'est comme moi aussi je voudrais me poser comme question avec vous, les chers internautes qui me suivent par le canal de l'Espace Dialogue, de notre site Congo Dialogue. Nami tout n'a question à Mkoboé, banalise, parce que Dieu a salibiso bazo baté, tant a doté biso na sagesse, na intelligence. C'est pour réfléchir aussi. Le médecin, ce qui a sali mon examen, à Monique Ozali, na malaria, Ozali na typhoïde, a payé sa prescription médicale pour que la personne guérisse. Mais au lieu de ça, la manakati y a ba église na biso, le pasteur, les évangélistes, les prophètes, tout ce que vous pouvez avoir comme baptistre, honorifique au Bangbalingaka, ont la facilité y a kolo bagala mutu Ozandoki, Ozali boye, mais sans que ba paye sa mutuana. Comment
prescription médicale, tu vois ce qu'on dit, prescription spirituelle. Pour que la personne trouve le salut, pour que la personne soit qui n'a bonoki, et qui a bonoki. C'est ma bé aux alliés. Mais je voudrais encore, beaucoup plus na papa et maman Olangi. Et l'équipe m'a ramené, l'équipe est belé trop. Monsieur, ils ont tellement d'internet, il y a des gens qui parlent. Bazo finga, bazo koloba. Bon. Moi, je suis minimum de respect aux morts. Mais, bato bazo au finga, je ne pense pas que bazali aussi sain que papa et maman Olangi. Net ngai, je m'étais pour cause comporter ba propos moko boye ya ko finga. Pour nanini. Na zana preuve que papa et maman Olangi ba simba kikisi, ba sala ki boye. Mais tozana ba tumusu so to mona ke bazapi na ba mama ba archibi so ki na li ba titre no so boye lingi yola. Ce sont des gens qui font de pratiques comme ya ki bono ki les gens ne sachent pas. Bazo vénéré bango. Alors, ngai et logo na ko souci na ngai. Papa Boloa, ou peut-être yo au bosani koloba. Ezali after le couple Olangi, que deviendra le ministère du combat spirituel. C'est ça mon souci. Le combat spirituel a impacté Neoti koloba. Ba implanté ba extension. Il y a combat, c'est à travers le monde. Naba ministère to naba to benga net naba église de réveil de to bengaka net ya Congo wana on dirait pas cause la ya bato ya église ali bosso de réveil on va toucher presque tout le monde entier et ça point très important. Alors after bango que deviendra le combat spirituel parce que awa biso to yekola biso ba congolais mingi je parle de congolais to yekola cause la kasoki. Bah leader, toi, bah visionnaire, il est loco, bah koufi, bah zalité, déplace toi au théâtre des ordres. Et puis, je crois pouvoir entendu déjà une fois maman Olangi parler que le ministère de combat spirituel n'appartient pas à sa famille. Ce n'est pas Alain. N'engé, bah comment on a gagné un tout autant là. Si on a ni sous tout autant là, comme moi, il y a mouru bah comme moi. Bah mi yebi peta wata langai. Le ministère de combat spirituel ne vous appartient pas. Ils allaient quoi appartenir à un ministère, à battre ni au corps, au ni ça qui ministère à combat. Maman na bino, na papa baloba qui que. Il y a eu des licenciés qui ont refusé de travailler dans ma classe au bâtiment de combat classe. Car pour babatika, maïel na bango au service y a ministère. Si on est capable y a ko kambaelo comme on a ministère t'es. After matanga y a papa na maman langi. Botika bato yo, nzambe ya guide pour bakumba yango. Pour que vous foulez au pied, mémoire, il y a papa et maman Olangi, ils ont vachement travaillé. Pour qu'aujourd'hui, certaines personnes vont s'accaparer, soi-disant richesse. L'église, ils ont fonctionné dans le bateau. Bateau n'est pas payé sur la Makambo. Ceux qui sont mécontents, ces gens-là partiront. Combien de ces églises-là que nous avons connues au Congo, où leurs pères sont morts, et que comment le la dynastie, le royaume, que ceux qui papa Koufi, l'église va passer pas à ban. Et puis, naturellement, tout le monde a un comportement, même il y a un bâton pour remplacer ma papa, ma parent, ma bango, ma tête à l'église, et ça a la dignité. Tu as bien, dans l'église, tu as la comboté. Et ça a la première rue qu'on a côté de la founa, qu'on a l'icolo. Pasteur n'a pas été impacté. La ligne a payé trop. Mais tant que tu as un pasteur, son père est encore vivant. Comme on est dans l'église, tu as un peu de combo. Mais il y a eu certaines extensions dans le Congo. Je parlais même d'extensions Moro dans ma tête, dans le quartier de Koro. Il y a eu un pasteur qui a joué en gros. Il y a un mécontentement. Pourquoi c'est bien? Le transfuge de l'église Nzambe Malamu, l'apôtre Heidi Nabal est mort. Oui. C'est son fils Pefa qui a pris la place. Et puis maintenant, c'est son épouse. L'apôtre Mbiye, c'est son enfant Moïse Mbiye qui prend l'église. Nema et remplace son père Sikatenda. Vous n'êtes pas éternel. Si vous partez, vous donnez l'église à Guy, Alain Olangi, où vous avez déjà un successeur, où c'est les membres de la famille. Ça choque également cette affaire-là où l'église devient pratiquement un royaume. Vous, au cas où vous et papa Olangi, vous n'êtes pas là, il y a déjà quelqu'un qui vous succède? Nous ne parlons pas des gens qui doivent nous succéder. Ce n'est pas notre vision. Nous avons donné un message aux disciples et messagères. Comment nous travaillons là-bas? Nous avons formé les gens pour travailler pour le Seigneur.
Ce n'est pas Guy qui a Lagos est représentant. Ce n'est pas Guy qui a qui au Ghana est représentant. Ce n'est pas Alain qui est représentant de Johannesburg. Nous avons formé des gens qui ont accepté de travailler pour Jésus. Nous allons voir après la mort qui sera capable de nous remplacer. Si Guy aussi est parmi les disciples qui vont travailler, il va travailler avec tout le monde. Nous, ce n'est pas une église, nous sommes un ministère où nous avons au travers le monde. Il y en a qui sont les savants qui sont en Australie qui travaillent pour le Seigneur. Il y en a qui sont aux États-Unis qui travaillent pour le Seigneur. Maintenant, ils seront des nombres. Mais ils vont travailler avec qui? Mais s'ils ne seront pas des nombres, ils vont rester comme ils sont. Ici, maintenant, là où nous sommes vivants, chacun fait son choix. Tu as vu quelqu'un, quand tu prends quelqu'un, un enfant qui est là-bas, quelqu'un est licencié. Il dit, maman, je vais servir ton Dieu, le Dieu qui a restauré mes parents. Ça me choque. Moi, j'ai une petite fille là-bas. Sa maman n'a rien. Betty, elle est licenciée. Mais Betty, mais va travailler. Dis, maman, je vais servir ton Dieu. Il a restauré notre famille. Donc, les gens ici travaillent par rapport à ce que Dieu a fait dans leur famille. C'est comme ça que les enfants s'engagent. Il est représentant, il est beau, il est représentant à Paris. Mais les gens là, il faut un choix pendant que nous sommes vivants. Et aussi, ils doivent faire un choix maintenant. ça c'est un message qui rassure donc les enfants. Et si c'est le choix qu'on fait, il y en a qui peuvent rester ici travailler comme un maître avocat ici, mais c'est bon, il doit écouter. Mais il y en a qui il est avocat, il dit maman je vais travailler pour Dieu, mais il va aller partir à Douala pour aller rester là-bas chercher son diplôme. Mais c'est Dieu là, Dieu le connaît. Nous c'est un ministère, on fait choix. Ici c'est le choix, c'est comme un,